cérébrale. Ouais, la bon, belote, bah, on va pour commencer. moi. Tu vas commencer sans moi, j'ai faim. Tu vas manger? Ouais. Tu vas te faire à manger ou c'est déjà prêt? C'est déjà prêt, je vais choper. Ok. Alors, qu'avons-nous ici? Oh là, il y a une clé là. Je la vois la clé. C'est surtout le poussin. À quoi va me servir la clé? Oh bah ouvrir ça. Est-ce que la clé, on peut la récupérer pour ouvrir là? Oui. On a un chapeau, ok. Je pense que les livres vont me servir à quelque chose. À quoi je ne sais pas pour l'instant, mais ils vont me servir à quelque chose. Ah! Sur toi, toi. Attends, je me casse. Non, mais. Ok, il y a un code à mettre ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un chapeau. J'ai un livre. On peut ouvrir. Non, mais je me casse. Il va nous servir à quelque chose. Donc, à mon avis, lui, il va parler ranger ou quelque chose comme ça. Non, ça ne sert pas, mais ça repose. Ah ah, un jeton. Savez-vous quelle heure est-il? Ensuite. J'aime tellement le truc. Ça ne sert pas à grand chose celui-ci, peut-être. Oui, je prends la lampe. Oh, est-ce que je vais pas me servir la lampe? Bordel dans la pièce. Une lunette. Oh attends, ce serait pas. Ça me sert ça. Passe-toi la chaise, tu m'emmerdes. Ok, il va falloir qu'on regarde comment ça marche. Ok. Non, tu le regardes. Il y a un jeton. Il y a un jeton à l'intérieur du chapeau. Oh le bordel. C'est pas bon. Je te jure, c'est pas bon. Non, ça doit être le pape. Et ton intelligence, quelle est la différence? Hein? Vas-y, montre okay. Un peu. Une 2, ensuite. Question 2, 1, 2, 4, 8, 16.
Mais en gros, t'es plus regardé. Quel cube est correct? Bref, ta souris. Merci. Oh merde, hein? Le 3 me semble correct. Ouais. Oui. Donc ça serait 2. Donc 2C3. 2C3. C'est que tu veux mettre 2C3. Bah, je sais pas. Ah bah super. Quoi ça? Personne ne trouvera mon coffre-fort. Ma bite. Tu vois si je le trouve pas. Oui. Pour ça? La merde. Oh là là, je me suis gavé, je l'ai mis dedans direct. Rien, je me suis gavé parce que je l'ai mis dedans direct. Hop là. C'est les livres, et ça c'est quoi? IQ. Là c'est IQ. Il y en a, c'est les livres. J'ai. Attends. Un livre comme ça. J'ai six livres comme ça. Ah, le test de Rorschach. Recharge. Recharge. T'as dit quoi là pour la question 2? 32. 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 2 fois 8, 7. 2 fois 16, 32. Attends. Donc ça Là, ça fait serait 2, 32, 3. 2, 32, 3, vas-y. 2, 32, 3. Voilà. C'est quoi comme ligne? Encore un bouquin chelou. Ouais, mais Et prends-les celui-là, on sur l'a toi. pas. Prends-les sur toi. Tous, prends-les tous sur Ah, toi, tu attends, les attends, prends. attends, non, non, c'est pour la tête. C'est pour la tête, c'est pour la tête. Les différents traits de personnalité. Le 1, l'estime de soi. Le 2, l'espérance. L'aptitude verbale, etc. Alors, l'hypothèse clinique la plus récente, c'est que le cerveau est divisé en sections, chacune responsable pour un trait de personnalité distinct. La morphologie du crâne est affectée par la section du cerveau sous-jacente. Ainsi, une évaluation complète de la personnalité d'un individu peut être déterminée en mesurant sa tête. Ok? Et encore? Vas-y, va sur le cadenas. Le livre, vas-y. Et donc? Alors, je pourrais pas te dire l'ordre, mais du coup, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7. Pas possible, il y a 4 chiffres. Il y a 4 chiffres. Oui. Mais en fait, si tu veux, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 2 où il y a 7 dedans. Et 2 où il y a 4 dedans. Et ensuite? C'est tout. Bah ouais, mais du coup, il y a 4 chiffres. T'as arrêté à faire l'horloge alors que c'est moi qui avais le journal?
Bah oui, c'était facile. J'ai même pas regardé l'horloge, je te vois que... Bah c'était simple. T'avais une horloge qui t'indiquait où il fallait mettre les trucs en fait. Elle est droite donc il fallait faire ça en haut. Elle est en bas donc elle bouge pas. Et elle est sur les deux trucs là. J'ai pas regardé. Bon du coup j'ai la tête de sophrologie là, je sais pas quoi. Là. Regarde. Et c'est le journal là, c'est pour faire l'horloge que t'as fait. C'est ce que je te disais. Non, phrénologie, pardon. Chaque chiffre correspond à quelque chose. Je sais pas, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça marche pas. Le 1, ça correspond à l'estime de soi. Le 2, l'espérance. 3, l'aptitude verbale. 4, la discrétion. 5, le besoin d'autorité. 6, l'aptitude musicale. 7, l'autorité. 8, la générosité. 9, la combativité. Et 10, l'autonomie. Voilà. Mais regarde, attends, là dans ce bouquin, regarde, quand tu les ouvres, t'as des trucs dedans. Ouais, il y a 4 livres là. Il y en a 4, dans l'autre il y en a 7, dans l'autre il y en a 4. Et encore 7, 2 fois. C'est bon. C'est tout, je sais pas à quoi ça sert. Je me dis, ça servait à celui-là. Bah oui. Je vois qu'il y a 4 bouquins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sur celui-ci. 7, 4, 7, 4. Les deux. Mais comment tu veux savoir qui est le premier et tout ça? Ah putain, donne-moi les bouquins, vas-y, je vais te le dire. Bah le numéro de là, le numéro 1, ça c'est le tome 1. Le tome 1, il y en a 4. Vas-y. Bah, dis-moi le tome 1, il y a combien de trucs dedans? 4. Ah mais c'est le tome 1 aussi celui-là. Tome 1, on a deux fois, et lui, là c'est tome 3 par exemple. Moi c'est le tome 4. Là, lui c'est tome 3 lui. Ah bah attends, j'ai peut-être repris le même alors, sans le vouloir. Ah, ça, tome 2. Ça c'est le tome 1. Tome 2, il y en a 4. Voilà, c'est bon, c'est ouvert. Ok, ah bah, deux sophrologies, bah ça c'est les chiffres, donc du coup les chiffres ça va être là-bas. Bah du coup, ça c'est le 1. Attends, bon, je peux pas te les épingler, non. Ça c'est le 1. Ça c'est le 2 et ça c'est le 3. 1, 2, 3. Mais... Ça, hein 3. Pas 3, non comment, non comment je comprends pas. Bah pas 1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3. Ah, bah là c'est le 2 du coup. Donc faut taper 2, bah dis-moi les chiffres, 2. Mais non, mais rien à voir. De quoi? Ah oui, pardon, moi j'ai compris. Vas-y. Bah normal le papier. Ah. Oui bah bon. Le 2, le premier c'est le 2, donc vas-y, ensuite. 9, 5. Voilà. Ah t'es oh, prêt? Oh j'étais amoureux, c'était mignon. Oui quoi? Ok. Il est où le truc? Et pourquoi? D'accord. Ah. Prends un bout de papier. Un bout de papier. Prends ça. Un bout de papier. Prends-toi un bout de papier à côté de toi. Et prends ça. Prends le livre que je te donne là. Je peux pas manger tranquille. Non, bah moi non plus. Comment? Vas-y, il est où ton truc que tu veux que je prenne là? Celui-là. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Regarde les numéros que tu vois, je vais te dire quelque chose. Le patient a une compréhension avancée de la musique. La musique, c'est quel chiffre? 6. Ah, ouais. 6. C'est... En fait, ça va nous donner l'ordre, tu sais, pour appuyer sur la tête. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Langage. 3. Notoriété. 5. Générosité et de mauvais augure. Générosité et mauvais augure. Ouais. Pas... Bah qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce qu'il y a que correspond? Bah il y a combativité, non, je sais pas, l'autonomie, non. L'autorité. Moi. Notoriété, t'as ça que t'as dit? Un besoin de notoriété. Alors je pense que c'est notoriété, ouais. J'ai oublié un net. Non, notoriété, c'est ça. Notoriété, ouais, c'est ça.
combiné avec un manque de complet de générosité. Donc ça, donc c'est bon. Donc ça fait 5. Ça fait 3. Attends, pourquoi je mets 3? Plus important encore, l'examen suggère une personnalité combative avec des tendances destructives. Ouais, combativité, c'est 9. Ça fait beaucoup de chiffres. Vas-y, redis le truc. Ah, pardon. Sois sûr, musique. Toi. Donc, musique 6. Langage. Après, c'est verbal. Donc, 3. Notoriété. Donc, 5. Générosité. 8. Combative. 9. Destructive. J'ai pas de destruction. Bah, c'est quoi, ça? Mais j'ai de la discrétion, si tu veux, mais... Bon, non, attends, on va essayer. Alors, vas-y, c'est quoi, 5? Non, 6. Ah, 6, vas-y. 3. Ah, c'est un 6, non, c'est un 6. 6, 3, 5. 8 et 9. Ça marche pas. Il nous manque quelque chose. Il nous manque... Bah, essaye de mettre la... le 4. Bah, ou la 1. 1 4 ou 1. Il manque quelque chose. Avant le moment. Bah, je sais pas quand... je sais pas. Oh, et aussi du fromage. T'aimes bien le maroilles en plus. Bah tiens, je sais pas, je vois pas... À moins que fais-moi voir le livre. Non. On lit ensemble. Mais tu peux épingler et me faire les deux en même temps si tu veux. Hein. Ah ouais? Bah tu t'épingles, oui. Mmh. Mets l'épingle, je prends le truc, vas-y. Attends, je désactive tout et tu vas me dire des chiffres. Ah bah voilà, d'accord. Allez, d'accord. Toute chance. J'ai désactivé des trucs, ça a marché. Bah okay. J'ai juste désactivé un des trucs et ça a marché. Ok, bon, bah écoute. Et voilà. On appelle la chance. Je commence à tout désactiver. Et après la clé est sortie. Moi je veux la clé. Oui, j'ai assez. J'ai une clé. Ah, je veux quoi ça? Bah regarde. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je sais pas. J'ai tellement de trucs que j'en sais rien. Passe-moi qu'à la boîte. Là. La boîte faut un code. Ok. Ok, ça faut bouger, mais tu sais pas comment. Ah, j'ai un morceau de chip, un morceau de disque. Mets-le sur le machin. Alors. T'as réussi à récupérer et tout? Il va me manquer des tableaux, je pense. Bah non, ça va pas.
Il doit vous manquer des tableaux, je pense. Là, j'en ai mieux, non? Je vois ça comme ça, moi. Ouais. 3, 8, 5, 7, 2. 3. 8. 5. 7. 2. Ça marche. Alors. Un morceau de chat. Encore un morceau de disque. Ah. Chouette. T'as entendu? Ne bouge pas. Un up. Alors ça fait 9. Neuf. Un. Neuf. Trois. 9-1-9-3 ou 9-3-9-1 9-1-9-3 ou 9-3-9-1. Mais tu mets ça où? Bah là. Ok. Okay. C'est quoi? Les allumettes. Là. Avec l'allumette, c'est après où allume. Mais... Ok. Et après j'ai les outils. Ah, j'ai bugué hein. De quoi? T'as bugué aussi ou pas? Non. Bah moi si, je suis figé hein. Essaye de retirer la pelle, s'il te plaît. Voir ça me débloque. Bah non, ça me débloque pas, je suis totalement bloqué. Bon bah vas-y, je te laisse finir hein. Bah non. Bah vas-y, finis. De toute façon, je pense qu'il doit pas rester grand chose hein. Je pense que... Ouais, honnêtement, je pense qu'il doit vraiment pas rester grand chose hein. Non, mais je sais pas quoi faire moi. Bah t'as allumé un feu, ça va devoir avec la pelle, tu peux pas récupérer des trucs ou les bûches. Bah j'ai tiens mais je sais pas comment faire. Ah putain mais non on peut pas continuer, j'ai la boîte. Ah bah oui bah du coup c'est nickel. Alt F4. Je dis bah. Et bah si. Si, ok. Ça va aller vite. La clé elle était là. La boîte elle est là. Le code c'était quoi? Putain je sais plus. De quoi? 5, 8, je sais plus quoi. Non 3, 8. 3, 8, 7, 1 c'était pas ça? 3. Je sais plus. Alors là je sais plus non plus, je t'avoue. C'est pas possible. Tu sais comment t'avais fait tout à l'heure? Je sais plus. Ok, attends. Non mais il en manque pas une... Mais je sais pas, où est-ce que tu l'avais eu? Il en manque pas une. C'est un morceau de CD. Fou. Bon, on s'en fout, je l'ai fini, CD. Je me rappelle du code. Où est-ce que j'avais chopé les trucs? Bah je sais pas moi, c'est toi hein.
Non, ça commençait pas par un zéro. Non, c'est pas un zéro. Hein. Non, c'est parce que je suis ici, voilà. Mais. Non, celui-là il peut pas être là, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Il y avait un bleu dedans, il y avait des bleus et des rouges. Mais voilà. 3, 8, 7, 8, c'est bon. 5, voilà. Et après j'ai fait un truc aussi, j'ai réussi à ouvrir le bouquin. Le bouquin vert. Je sais pas. Le bouquin, ok. Tu Bah sais que si, je peux regarde, DR, mettre. je sais pas Oui, quoi, non, toutes les lettres. ça fait mon ancien pseudo. Je sais qu'on pouvait mettre des lettres, je sais qu'on pouvait mettre des lettres quelque part, je Là, sais mieux. ici, même il y a un trou. C'est bon. Là, il y a un mur avec des trous. Ah, c'est peut-être parce que c'est pour ça que tu as de la production. C'est quoi? Ma chère épouse, mon amour, sort toujours comme un feu ardent. Ah, peut-être qu'il faut le mettre dans le feu. Ouais, vas-y. Tu On va dire. veux que je mette ça dans le feu, non? Ah si. Et alors? Ça me donne des températures en mercure. Ah bah vas-y alors, ça doit être là. Là, là. Regarde ça, tu vois le... Vas-y, dis-moi, la lune pleine, la lune machin ou... Voilà. Ok, et l'heure? Et là, j'en sais rien. Non L'heure, j'en sais rien. mais je regarde, mais je veux juste regarder. Je sais pas, tu m'as dit où? À la lueur de la pleine lune et de la fièvre de minuit. Peut-être minuit, hein, écoute. Hein. La pleine lune. Ouais. Voilà. On a tellement de trucs en deux-deux. Celui-là. Attends, j'arrive, je vais ranger ça, j'arrive. Je vais souligner parce que j'ai déjà encore envie de pisser côté le café de tout à l'heure. J'arrive, j'arrive. Bah vas-y, hein, c'est bon. Merde. Hop. Ne regarde pas, cherche. Mmh. Comble. Allez. Oh, petite boîte de musique. Alors, Daniel and Lydie with Mom and Dad, 1876. J'ai un 1876, c'était un truc, un code à quelque chose, avec 4 chiffres. J'ai, sur ce cadre-là, regarde, j'ai un code là. Faut déposer les trucs en fait. Oula, mon très cher papa, merci mille fois d'avoir organisé ce voyage autour du monde. Premièrement, nous sommes montés à bord de l'Orient Express et nous avons vu la Chine. C'est en surligné, donc par mon avis, il y a un lapin. Ok, là on peut bouger les aiguilles sur ça. Putain, c'est incroyable tout ce qu'il y a dans celui-ci là.
Un lapin? Ouais, là j'ai un lapin et un clavier. 5, 9, 3, 7. Et donc? Bah, c'est ce que j'ai comme code pour le lapin. Bah écoute, j'ai tapé 5, 9, 3, 7. Ah mais il me faut une feuille, il me faut une feuille, il me faut une feuille. Je pense qu'il me faut une feuille. Oh, ma dorée! Tiens, regarde là. Tu vas appuyer sur les boutons du machin. Là, s'il te plaît, là. Ça. La Tiens, boule. prends d'abord la poupée. Tiens, y a une... dans la poupée russe, il y a un truc. De quoi? Dans la poupée russe, tu as. Ah, j'ai une clé. Dans la poupée russe, tu as. Un jeton. Tiens. Dans la poupée russe, en bas. Ah ouais. Ensuite. Du coup, tu peux faire le truc là? Après, j'ai une maison éclairée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, sur le truc, tu vas appuyer sur les boutons que je te donne. Ah, Vas-y. premièrement, nous sommes montés à bord de notre espèce, nous avons vu la Chine. Chine. Ouais, ensuite. Depuis là, nous avons pris un avion et sommes arrivés à San Francisco, USA. Ensuite. Puis nous avons pris une voiture, nous avons vu les forêts tropicales. Ensuite. Cap de Bonne-Espérance en Afrique. Et ensuite Ensuite. l'Angleterre. Bim, une ampoule. Crois qu'on va servir l'ampoule, mais ouais. Par contre, je sais à quoi ça va servir. Bon, Et je sais si pas on à qui a je dois un, mettre là, ça, mais. un, là, là, Manoré, ça là. Regarde. C'est une boîte à. Une des boîtes là que t'as prises là, qu'il faut tourner. Ouais, ça m'a donné ça. Ah, pourquoi il est pas sorti là? Oh, y'a un jeton. Donne-moi le jeton. Pourquoi vous pas me donner le jeton? J'ai une horloge où on peut modifier l'heure. Bref, ouais. Ah bah voilà une feuille. Tu m'as dit quoi le lapin, le code? Le code du Le lapin, c'était lapin. quoi? Je me touche de choper le lapin. C'est pas Là. 3, 9, 7, 1? 5, 9, 3, 7. Oh les bâtards! Le 5, ça me fait un 2. Le 4... Ah, faut que je note 4. 5, 9, c'est ça, hein? 5, 9, 3, 7, ouais, ça doit faire. 5, 9, 3, 7. 1, C'est 2, 9, 3, c'est 4, quoi? Ouais. 5. 2, 3, 4. Il me manque un autre chiffre. 937, ça marche pas, il n'y a pas que ça. Pas un truc un truc à code encore à rentrer. Dans une des boîtes, t'as pas eu un truc? Le truc où il y a marqué mon lapin, j'ai genre j'ai une boîte à quatre côtés et il faut mettre des chiffres de 1 à 8. Attends, fais voir, fais voir, fais voir, fais voir. Je vois pas. Elle est au sol. Oh putain, d'accord, ok. Alors ça, c'est beau, ça j'aime bien. Comment c'est l'heure du coup? T'es mignon toi. Mais c'était placé sur le. Ah. Il y avait une petite trappe avec un jeton. Et des bijoux! Deux.
J'ai des bijoux maintenant, ouais. 10. Jaune. Tiens, j'ai des petits bijoux. 6. Oh, attends, ça perd 3, 7. Non, faut dire à quoi correspond. C'est simple, faut dire à quoi correspond le nom. Le 4, c'est quoi correspond ça. Non, c'est pas possible. Oui, j'ai aussi. C'est bon? Ouais. Alors, et du coup, t'as eu quoi? Là, ici. J'ai des bijoux encore. Ok, il me manque quelque chose. De quoi? Il me manque un truc à mettre devant. Devant. On va aller voir un peu si tu sens quelque chose. J'ai des bijoux, il me sert à quoi les bijoux? À rien. Ça, on peut le bouger les horloges, pourquoi? Vas-y, casse-toi. Oh les chiens, comment ils cachent des chiens partout. Oui, y'a rien, problème. Il nous manque un truc là pour Daniel. Là. Mais ça, je pense que en fait, ça va être le truc pour qu'il y ait. Il nous faut un truc à mettre devant. C'est un signe ou quoi? Je pense que c'est un signe, je crois. Ouais, c'est l'air d'être un signe, je crois que c'est pas là-dessus qu'il faut compter.
marrant, c'est que c'est sur machin, donc tu peux redresser ça. Il manque. Donc ça c'est la lettre que je t'ai lue tout à l'heure. Ouais, j'en ai pas eu besoin du coup. Et après il me reste l'horloge là, celle-là, si tu peux bouger les... Les gars, ouais. Donc est-ce que ce serait pas ça? Ça sert à rien. Et ça s'ouvrirait pas si on change l'heure dessus. Y'a pas un truc d'heure dans le... Attends, tu t'es servi de ça, de la note, là? Elle dit quoi, la note? L'usine, nous avons dû d'abord trouver ton diable à ressort. Ce jour était d'abord avec le cœur sur la boîte. Tu t'en as servi pour quoi faire? Bah, pour ouvrir la boîte qui est en dessous de toi avec marqué Toy. D'accord. Ok, bon, maintenant que c'est un peu dégagé, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Que... Un truc qui nous manque à... Mais attends. Il y a un endroit où on peut mettre un code, je sais pas où est-ce qu'on peut le mettre. Sur la lettre là. Une petite lettre. Le jeu de données qui bondit toujours après 4 tours. C'est ça. Rien à voir. Je sais pas. Mais comment on sait que c'est celui-ci? Mais je sens... Ça va être avec ça, mais je sais pas comment... On est d'accord qu'il nous en manque un. Je sais pas qu'il nous en manque pas un, mais... Pas le lever, ça? C'est ce que je me disais, on peut sûrement le lever, mais je pense que c'est par rapport à ça, non? Oh, ta mère. C'est là par... Oh putain, ils sont sérieux! De quoi? Ah ouais, d'accord! De quoi? Danny and Lizzie. Danny and Lizzie. Ah bah c'est le code que j'avais trouvé derrière dans le cadre, je sais pas quoi. Ah non, t'inquiète. Danny and Lizzie. C'est lui, Lizzie? C'est ma gueule? Le ch... Et après c'est qui? Attends, merde. Et après c'est qui? Après c'est très simple. With mom and dad. T'as une poupée dans les mains en plus. Donc oui. Mais je m'en fous de la poupée. Ah, bah non, la poupée. Ouais. On s'en fout pas. Il manque le chien. Ça serait peut-être plus inverse, non? Attends. On est d'accord. Daniel et Lizzie, mom and dad. D'accord. Mais c'est qui maman et papa mensonge? Ok. Donc ça serait... Daniel, Lizzie, Mom, and Dad. Peut-être, ouais. Fais voir un peu l'image, fais voir ton image. Ouais. Ah, je vois pas. Tiens, hop, épingle là, et vas-y.
Non. Je vais le mettre dans le bon sens. Moi je veux passer. Et voilà. Pourquoi ouvrir la fenêtre? Parce qu'il y a un jeton juste en face sur la fenêtre d'en face. Ok, il va falloir faire une cambouille là-dedans. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Et tu vas récupérer, je suppose, déjà? Ouais, j'ai récupéré pas mal de trucs, ouais. Moi, bah, je me doute bien. Hein. J'arrive derrière toi, y'a plus rien. Alors. Ah, qu'est-ce que oh, putain, on va faire la recette doit être suivie dans l'ordre exact. Essence. Psychique à brûler. Essence psychique à brûler. J'ai ouais. Fleurs, millions de cloches entières, feuilles de mandragore entières et amandes moulues. Attends. Répète. Bah doucement. Hein. Pas. Millions de cloches entières. C'est quoi millions de cloches entières? Je sais pas. Oh. Entières, feuilles de mandragore entières et amandes moulues. Ça marche pas. Tu peux glisser dedans. Oh, la menthe, je peux la mettre. Oui, la menthe pour la moulure. Elle voit d'autres molles. Mais la menthe. Ouais. Ok, ensuite. Et après, le reste, c'est entier. C'est du million de cloches entier, de la feuille de mandragore entière. On met ça dans quoi? Là-dedans? Je sais pas du tout. Oh, mais ça, je l'ai. Ah oui, alors la feuille, c'est, la menthe c'est bon. Après j'ai ça, alors je sais pas laquelle est laquelle. Est-ce que t'as un dessin de savoir ce que c'est? Absolument pas. Tiens, regarde. Si tu veux regarder, tiens. Ah attends, botaniste, c'est bon, trouvé. Ah. Bah du coup, on fait l'inverse. Donne-moi le bouquin, toi tu prends celui-là, moi je prends l'autre. Tiens. Ah non, c'est celui-là. Merci. Donc du coup... Le mandragore, c'est ça. Il faut du million de cloches entières. Entières. Million de cloches. Feuille de mandragore entière et amande moulue. Mais ça doit être dans l'ordre. Ah merde. Alors ça... Vas-y, million de cloches, j'ai. Million de cloches. Feuille de mandragore. Et amande moulue. Deux quatre neuf. Eh bah 2-4-9, je sais pas où mais 2-4-9. C'est pas celui-là. Je sais pas si celui-là est pas. C'est celui-là. 2-4-9. Ok, j'ai récupéré un morceau. Un morceau quoi? Ah oui. De ça. Vas-y. Ensuite. Alors là, ensuite. Là, j'ai un truc avec un sablier, le cadran soleil, le cadran et une balance. J'ai une feuille à cliquer pour le faire tourner puis regarder à travers la cloche du cylindre. Bah pas encore, je pense. Quoi ça, Jupiter, Saturne, machin, je sais pas quoi là. Bah pour mettre les planètes, bon, j'en ai déjà mis deux. Tu vois, genre j'ai ça. Ah bah c'est ça qui me faut, là, ici. Où ça? Le sablier, là, ici, regarde. Bah alors, je pourrais pas te dire. Parce que... On regarde, mais... Ah putain, si, je peux te dire, tiens. Vas-y, mets le truc. Ah, faut peut-être... Attends.
Peut-être les mettre les combinés dans tes mains. Et après, ça va tourner, normalement. Eh bah, il faut autre chose. Fait tourner, mais... Il faut un autre truc avec, peut-être. Ouais. Ou enlever l'autre, peut-être, que t'avais déjà dedans. Non, parce que tu peux mettre les deux, en fait. Soit l'un, soit l'autre. Regarde. Ah bah ça ah, c'est le chiffre. Bah non mais ça c'est bon, mais ça je sais quel chiffre c'est, ça se voit. Ça c'est 8. Ouais. La balance c'est 8. Ouais. Ok. Il manque le canon solaire et la... Et l'autre c'est 3. 3 et pardon, le... Et le canon solaire. Et le dernier j'en sais rien, tu fais... tu tournes et tu essaies de trouver. Bah voilà. Voilà. J'allais me faire chier alors. Totalement ce que j'allais faire. Ok, maintenant... Maintenant, j'ai des espèces de mannequins à mettre un peu partout. Des mannequins? Oui. Ça là. Avec A, B, C. Est-ce que ce serait ça? Ah. Non, ça c'est une clé. Là, c'est quoi? Ah bah là, j'ai le mannequin. Il est tout droit le mannequin. Là, où? Sur le canard du bas. Il est tout droit? Ouais. Donc ça serait A? Bah A c'est 1 alors. Peut-être, ouais. Ouais, vas-y. J'ai rien d'autre sur moi par contre, après. Hein. J'ai les mannequins là que tu vois. Je n'ai plus aucun objet. J'ai vraiment ces 3 mannequins là et c'est tout. Je peux servir de ça pour faire quelque chose. Non, là, c'est... J'ai l'impression que c'est des rideaux qui te montent là, non? Ou c'est moi? De quoi? Alors, le code du petit cadenas, ça serait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2. 5, 2, 2. C'est pas possible s'il y a 4 chiffres. Comment ça, il y a 4 chiffres? Il y a 4 chiffres? Il y a 4 chiffres maintenant. Ah, 5, ah oui, d'accord. Tu m'as dit 5 de 2, ça fait 3, hein? Bah, je pensais que c'était ça. 5. Là, il y a le truc des mannequins. Oh putain! Ok! C'est quoi? 1, 8, 2. Pourquoi tu dis ça? 1, 8, 2. Pourquoi tu dis 1, 8, 2? Bah parce que les mannequins ils forment des numéros. Ouh. Bah t'as la dernière planète, c'est bon. Bonjour Michin Buddha. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vos mains? Oh, putain, Terre, Mars, Neptune, la Terre, Vénus. Tiens. On peut appuyer dessus. Alors qu'est-ce qu'on doit faire dessus, je sais pas. Tu vois ou pas? Si j'ai pas. Non, je vois pas si t'es pas non. Ah bah alors, c'est tout ça. Du coup, sa main droite, c'est quoi? Faut mettre quoi? Faut mettre les planètes qui montrent ou faut mettre quoi? Bah en gros, faut mettre Jupiter sur sa main en haut à gauche, Mars en bas à gauche, Saturne en haut à droite et la Terre en bas à droite. Alors Jupiter, tu m'as dit en haut à gauche. Jupiter en haut à gauche.
Ici. Mars en bas à gauche. Mars en bas à gauche. Mars. Mars, 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 c'est là. Ouais, la Terre en bas à droite. La Terre en bas à droite, donc ce serait... celui-ci. Saturne en haut à droite. C'est bon? Là je crois. Oui, la clé est là. La clé, bah t'as deux cadenas, donc essaye de voir lequel ça ouvre. Bah, fallait faire ça avant pour savoir. MDR! J'en suis battu les reins. C'est quoi ça? Des cartes! Oh putain, beaucoup de cartes. Ah bah, c'est ça alors qu'il nous faut pour les cartes, c'est pas les fenêtres. Attends. Ah! Épinglé! Hop là! Je peux pas voir du coup. Ah, vas-y, dis-moi. Eh ben tiens, vas-y, cadeau. Tiens, c'est là. Non, 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 mais pourquoi tu veux pas faire? Mais pourquoi ouais, je veux juste regarder avec toi? Mais je, parce que je peux pas te donner les deux trucs. Mais tu veux que je te dise alors, tiens. On fait ensemble. Bah non, tiens. On fait ensemble. Mais ça va être compliqué de faire ensemble parce que c'est parce qu'il faut rajouter des cartes, après il faut mettre des trois trucs. Oh, bah vas-y, alors c'est fait, 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 fait. Je pense parce que là, la fenêtre c'était juste pour reprendre le chou qui était en face sur la fenêtre. Hein. Sur le set, bref. Alors, c'est au bal de l'empereur que je l'ai vu pour la première fois. Qui est le bal? Le magicien, donc du coup je dirais peut-être. C'est un. Très vite, nous sommes tombés amoureux et nous sommes appropriés nos voeux devant le pape. Deux. Donc le pape il est là 2. Donc ça serait donc... On est tombé amoureux donc ça serait 1, donc 2 plus 6 ça ferait 8. Donc 1, 8. À ce que j'ai été fou. Le fou, fou c'est 0. Donc ça fait 1, 8, 0. Et l'autre... Oh putain. Elle était le monde à mes yeux, mais la fortune n'était pas de notre côté avec le temps. Notre amour a péri sa force, donc le monde. C'est qui est le monde? Le monde, donc ça fait. Il y a un truc qui va pas maintenant dans ton calcul. Ça fait. Deux secondes. Non, mais c'est sûr et certain, ça marche pas le 180 et j'ai essayé tous les chiffres, ça marche pas. Donc ça doit être un des trucs, ça doit être le truc de danse ou je sais pas quoi là. Peut-être le premier... Je pense plus au soleil, moi, j'aurais dit, mais je sais pas après. C'est au bal de l'empereur que j'ai lu pour la première fois. Ah bah l'empereur, bah 5 du coup. Donc 5. Ouais. 5, 8, ouais. 0. 5, 8, 0, et après il faut mettre 3 cartes en moins, donc si tu veux faire tous les chiffres, vas-y. Donc 5, 8, 0, 2. Ok, on a ça. Il y a un truc là, avec le miroir. Non, le miroir, c'est que je l'ai fait tomber. C'est marré. T'as juste trouvé ça à l'intérieur? De quoi? Ouais, 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 ouais. D'accord. Après, il va falloir mettre... Ah bah là, on est ah bah, ok. Ah attends, il y a un code, regarde. I. D. Idée. Non. Oh putain. Ok. V. O. I. D. Void. V. O. I. D. On se casse! Bravo! On se casse! Le lab souterrain.
Ok, ça va être facile. Oh oui, ça va être très facile à comprendre. Ah, combien il y a de pattes d'éléphant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 pattes d'éléphant. Ok. Il y a 6 pattes d'éléphant? 4, 5, 6, 7, 7. 7 pattes de. Je sais pas quoi là, on passe là de. C'est quoi d'ailleurs? Viens. Ouais. Ensuite, c'est quoi? Ah non, attends, je dis des conneries. Non, 2 pattes de zèbre. Non, 3 pattes de zèbre. Ouais, 3 pattes de zèbre. 4 pattes de cerf là. Et les pattes de lion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pattes de lion. Ok, maintenant faut qu'on trouve les. Okay, il manque un morceau de papier, si t'as un morceau de papier, tu peux me le donner un morceau de papier, j'ai plein de trucs. Non, juste un morceau de papier parce qu'en fait j'ai ça, sinon il me manque un morceau. Ah non, j'ai pas ça. Merde. Là, il y a un regard insistant, il y a des yeux là. Par contre, j'ai ça. Hop, hop. Après, je sais pas dans quel ordre faut les mettre, mais voilà. Ouais. Et j'ai un arrosoir aussi. L'arrosoir, je pense que ça va être pour les plantes. Là, celles-là, elles sont pas. Non, ça sert à rien l'arrosoir. Ça sert à rien l'arrosoir. Non, ça sert à rien. Une poubelle. Dégage. Alors, j'ai un bouquin. Le bouquin, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, 12 mars, voyage continue demain. J'espère que nous aurons plus de chance que la dernière fois. C'est malheureux. 17 mars, il faut l'engloutir par la nuit. Je n'oublierai jamais ce truc horrible. Ces sons horribles. Ah, horrible. Les pupilles, un truc aux pupilles, je sais pas quoi, étroite. Un regard aux pupilles étroites et le coup de. Et leur couleur d'or. Ça? De quoi ça? Bah, celle-là. Ah! Est-ce qu'il faut reculer c'est... Est-ce qu'il faut faire... Attends. Laisse juste que c'est le. Je touche à rien, hein, tu sais. Ah merde! Ok, donc ça c'est bon. Je suis arrivé à la mer Azur avec une île toute ronde en son centre. Ok. Ah bah voilà. Un regard. Alors donc c'est ça en fait le code. Ça, t'as trois nœuds d'œil qui peuvent se déclencher. Bah ouais, là j'ai deux. Donc, j'ai un regard aux pupilles étroites et de couleur dorée. Ouais. D'or, pardon. Oui, ça c'est bon. Mer d'Azur, une île toute ronde. Ouais. Donc du coup, les alentours sont tapissés de feuilles mortes. Avec au milieu un trou sans fond vers le néant. Ouais. Voilà. Ah, bah. Mais ça a rien fait. J'ai fait celui-là, et rien. Bim. Voilà. D'accord, ok. Bah, c'était. Il y avait que ces trois de nœuds qui m'inspiraient, donc c'était pas ça. Tu vas falloir trouver 15 milliards de clés, hein. Ouais. Mais... Ensuite, faut trouver des tableaux. Moi, j'ai pas trouvé le dernier tableau qui allait là. Parce que moi, j'ai une feuille, hein. Aussi. Ah, mais j'ai une clé là, j'ai pas eu. Hop. Et après, il y a ça aussi. Ça. Ouais. L'horloge, là, bizarre. Ah, avec les papillons. D'accord. Alors, des petits points en haut avec. Regarde. Ah putain, oui, d'accord, ok. Une barre avec des tout petits points, c'est le bleu avec les ailes jaunes. Midi. Oui, non, mais c'est parce qu'il y a l'autre en dessous, sinon je peux pas la récupérer. Ensuite, nous avons le vert, c'est les petits. Des petits pointillés. Voilà, bon, on prend la clé, ok. Et ensuite. Là, mon cul m'a été malade, je sais pas du tout. Là, ici, on a un code, mais il manque une feuille. Alors, le code, c'est. Je sais pas comment je pourrais te dire, mais. Ah putain, ok, c'est bon. C'est 3.
4, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Non. Bah si. Pardon, je suis 4, 3, 2, 1, ça marche pas. Ça doit avoir un sens. Non, 3. Pardon, 3. Pourquoi j'ai 2 fois 4? Ah, 1, 2, 3, 4. Et là j'ai 1, 2, 3, 4. Quoi donc? Donc ce serait 3, 4, soit 2 et 1, soit 1 et 2. 3, 4, 2, 1 ou 1, 2. Non, ça marche pas. Bah essaie de comprendre, tiens, je te l'offre, il est là. C'est un 5 maintenant. Un 5. 4, 3, 1, 5. 4, 3, 1, 5. Ça marche pas pour autant. Bah parce qu'il y a un sens peut-être, mais... Oui, il y a un sens, là, des pattes, elles sont vertes. Ah bah attends, le premier c'est 5, et en dessous les sabots il y a le chiffre, il y a le truc. 5. Ah, je pensais que c'était... Ok d'accord, 4, je pensais que c'était... ok. 1. 3. Ouais, moi je pensais que c'était justement l'inverse. Ah, le morceau de papier qui est beau. Tu te fous de ma gueule alors que je pensais que c'était l'inverse quoi. Quoi cette dinguerie là. Non mais ok, ça marche. Ok, alors... Ça commence ainsi, le premier était le nombre de membres, suivi par le nombre de membres touchant pi. Le dernier nombre est composé de ce pointant à l'ouest. Y'a que toi qui peux m'aider, hein. La boîte je l'ai dans les mains et il me faut un code. Ouais. Bah c'est ça. Et bah, le premier était le nombre de membres. Il y en a 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ok, ensuite. Le nombre de monde touchant pi. Pi, il est où ? Pi 3, 4. Mais est-ce que ce serait pi 3, 14 ou est-ce que ce serait. Bah 2, du coup, je dirais peut-être. Ah non, pi. Attends. Non, je vois pas de pi là, c'est pas un pi ça. Le dernier nombre est composé de ce pointant à l'ouest. 2. 3, peut-être même. 8, 2, 3, non. Bah tiens, fais l'inverse, tu vois, on va comprendre, tu vas essayer de comprendre. Je vois pas le pi, en fait. C'est chaud, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'as vu quelque chose que moi j'ai pas vu? Totalement. Ah oui, quoi? Le pi, tu l'as vu? Bah, bah oui, il est derrière. Oh merde. Il est derrière le pi. Alors le pi, c'est un rond. Pas des ronds? Il y a des ronds. Ah ok, donc ça serait peut-être ça. Hein. 2, 3, 3 du coup. Et après le dernier du coup, ce serait quoi? C'est quoi dans un touchant... Soit c'est 3, soit c'est 1, mais ça m'étonnerait. Comment tu fais pour lire à l'envers toi? C'est un art de lire à l'envers, moi j'arrive à lire à l'envers. C'est souvent... Mais après c'est parce que je lis souvent les trucs à l'envers de mes enfants, donc du coup je sais lire à l'envers. Alors, du coup, le dernier nombre est... Et qui pointe vers l'est, les membres qui pointent vers l'est. Composé de ce pointé à l'ouest. Pointant à l'ouest. Ah. Oh. Du coup, bah, il n'y en aurait qu'un. Il n'y en a qu'un qui pointe. Ah, parce qu'il n'y a, que son bras qui pointe. Tiens, regarde, tourne la feuille, tu vois, il y a pi derrière.
Pourquoi il y a le truc de la... Je sais pas. Pourquoi il y a Zeta, j'en sais rien. Ah, mais il est là. Touche, pis. Bah, il y en a plus que ça, Manoré. Touche le cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bah, les psys qui touchent le cercle aussi. Ah ouais? Bah oui. Donc, bah, le deuxième chiffre, c'est 6. Non, le... si, le deuxième chiffre, c'est 6. Dans la boîte. Ok. Ah, c'est 8, 6, 3. Ok, il nous manque une clé, du coup, ça c'est bon. Et après, j'ai un truc dessus, t'as vu, il y a le carré aussi. Je sais pas ce que c'est ensemble. Oh putain, attends, l'origine des espèces, t'as vu, il y a un livre. Ah! Donc ça vient de l'oiseau. Attends, donne, bouge pas, je vais te... Non, non. Si, aigle, en premier. Les roses, de rose. T'arrives à la mouche, de la mouche. T'arrives au crapaud, de crapaud. T'arrives au serpent, du serpent. T'arrives à l'aigle. D'accord. J'ai une invention. Non, crapaud. Bah voilà, on est dernier. C'est bon ? Je laisse même pas mettre le serpent ! Bande de moldus. Bande de moldus. Eh ben on a fini celui-là, putain. Eh oui, on a fini celui-là.